Hey, salut tous les amis, c'est Flo, j'espère que tu vas très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, bon là je crois qu'on est le soir, donc après l'événement de la Nimest. Et donc aujourd'hui on va se faire un unboxing sur ce box. Donc j'espère que ça va être bien, de chez March in Dice, voilà. Donc une box mystère, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il y a des goodies plus une figurine pop dedans, dans ce box que j'ai payé 20 balles à la place de 30 euros. Donc c'est parti, on va commencer. Donc j'ouvre et au pif peut-être. Je vais essayer d'ouvrir au pif. Et oh putain, j'ai pas regardé. J'espère qu'il y a des trucs qui sont géniaux ou pas. Alors, il y a trois. Je dis pas qu'il y a deux ou trois objets. Je sens plus gros. Ah ah ah. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Alors, un notebook Zelda Breath of the Wild. Voilà. Ouais. Zelda Breath of the Wild. Bon, c'est vrai que j'ai joué chez un poteau, bah, donc poteau Ludix que j'avais joué, mais pas la version. Oui, là, on a joué la version Nintendo Wii U. Peut-être plus tard que je vais le prendre sur Switch, qui sait. Donc, hop. Oh oui, putain, pas mal. Breath of the Wild. Voilà. Un notebook. Donc, un carnet de notes. Pour noter des trucs, style mes rendez-vous. Votre connerie. Par contre, ah oui, oh oui, ah oui, d'accord. Par contre, là, chelou, pourquoi c'est collé? Ah, c'est collé là. Ouais, par contre, Nintendo, je sais pas ce que vous avez foutu dans votre produit. Il y a des pages qui sont collées, mais bon. Par contre, ça, c'est quoi? Ah, ok, d'accord. Et en plus, il y a des petits arbres. Des artworks que de, hein, du jeu, bien sûr. Breath of the Wild, là, hein, Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild. Ouais, voilà. Un petit notebook. Ah, ok. Oh, bah, ça va plaire à Imago, ça. Des pins, des badges Crash Bandicoot. Oh, trop stylé. Bah, je crois que ça partira chez le poteau Imago, ça. Voilà. Des petits badges Crash Bandicoot. Je crois qu'il les a ou pas, mais bon, je crois que je suis sûr qu'il les a peut-être, donc... Je sais pas s'il les a, mais bon, je le filerai en cadeau. En cadeau à Imago. Et le dernier... Oh! Bon, bah, moi, je suis pas... Bon, je suis pas fan de Kinomerz. J'ai une figurine pop de Riku de Kinomerz. Voilà, une figurine de Kinomerz dans les pop. Ouais. Pourquoi pas. Et voilà, il n'y a plus rien. Pour 20 balles. Ouais, pour 20 balles. Ouais, pour 20 balles, ouais. Franchement, il y a... C'est vrai que là, il y a deux objets que j'aime bien. Bref, ça voilà. Le carnet. Et le pint. Ouais, ça va. Mais le carnet, franchement... carnet de Zelda Breath of the Wild, franchement, joli. Joli, joli. Je crois que le plus que je... Je crois le plus que j'ai plus kiffé. Je regardais bien. Mais bon, les badges, je préfère pas ouvrir, mais bon, voilà. Franchement, le seul truc que j'aime bien, là, franchement... Le seul objet qui me plaît bien, c'est le carnet, le notebook de Zelda Breath of the Wild. Voilà. Y'a que ça qui me plaît. Putain, la vidéo fait même pas 5 minutes et j'ai fini la vidéo. Mais bon. La figurine pop, je sais même pas, il m'intéresse pas du tout. De toute façon, je suis pas fan de Kinomerz. Je précise, je ne suis pas fan du tout. Je suis pas très fan de Kinomerz. Bon, je crois que ça partira peut-être chez un ami. Je crois peut-être Imago, je crois bien. Ça partira peut-être chez Imago, je crois. Ouais, ça partira peut-être chez Imago. Voilà. C'est vraiment génial, hein. Cette vidéo,
Elle a été vite fait finie en 5 minutes, voilà. Pour 3 objets. Que tandis que les box, je crois les Woodbox, les box JDG, Journal du Geek bien sûr, t'as au moins une dizaine d'objets. Voilà, pour 20 balles, je crois que j'en mettrai pas, hein. Je mettrai pas ces trucs là pour une prochaine fois. Pour 3 objets. Pour 3 objets. 3 objets. Donc voilà, donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. Si c'est le cas, voilà, moi je vais vous laisser. Et moi je vous dis bonne chance, allez, à vous. Et une bonne soirée. Et si cette vidéo t'a plu, mets un like. Pourquoi je fais cette pub? Non. Allez, donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, et mettez un commentaire si vous voulez que je fasse un autre truc comme ça, de style unboxing. Que j'essaye peut-être en faire une, voilà. Ça me dérangerait peut-être, pourquoi pas en faire une, et ça me donnerait envie. Voilà. Sur ce les amis, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était Flo le buveur de café sur cet unboxing. Je crois que ça va partir chez des abonnés, hein. Des abonnés ou des amis. Plutôt des amis. Allez, ciao.